figure majeure de l'abolition de l'esclavage, ce jeudi 21 juillet commémorait la naissance et l'œuvre de Victor Schœlcher. Un jour symbolique pour la mise en œuvre de l'extension du musée qui lui est dédié. Plus d'espace pour plus d'objets à voir. Le reportage de Linda Kayarsi dans un instant. Et ils font valoir leur droit de grève depuis des semaines, voire des mois pour certains. Des pères et des mères de famille sont prêts à se priver de revenus pour réclamer plus de justice. Comment vivent-ils au quotidien? Leur témoignage dans ce journal. Sa musique ne vous laissera pas indifférent. Flûtiste, auteur, compositeur, nous avons rencontré la talentueuse Célia Wa. Elle sera en prestation demain soir à Couleur Créole à Sainte-Anne. Isabelle Amo nous a tiré son portrait. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous commençons ce journal avec quelques minutes de retard. Veuillez nous en excuser. Il est l'un des rares souffles d'air pur qui est soufflé sur une histoire de meurtre, de pillage, d'exaction, disait Aimé Césaire à son propos. Cette citation fait référence au combat de Victor Schœlcher pour abolir l'esclavage dans nos départements. Jusqu'à la fin de sa vie, celui-ci est resté un fervent défenseur d'une république démocratique et sociale. Ce jeudi 21 juillet, jour chômé, célébrait justement sa mémoire. Que vous évoque cette grande figure de notre histoire? Vos réponses au micro de Nathalie Dinan et de Linda Kayarsi. Alors, un très grand combattant qui s'est sacrifié pour, je vais dire, l'avenir de son peuple. En gros, c'était un grand militant et, je dirais, un grand monsieur. C'était un homme qui a été député de la Martinique et député de la Guadeloupe, qui a joué un rôle essentiel donc déjà au niveau international, mais de plus particulièrement en Guadeloupe. Grâce à lui, au niveau administratif, je le précise bien, on a pu, les esclaves ont pu obtenir la... Ce fut l'abolition de l'esclavage, deuxième abolition de l'esclavage. Bonjour madame, qui était Victor Schœlcher? Ben, Victor Schœlcher, je ne sais même pas. Non, vous n'étiez pas à la cérémonie ce matin? Non. Non. Schœlcher a aidé à la... à l'abolition de l'esclavage. Alors, on reprend encore la phrase. Qui était Victor Schœlcher? Victor Schœlcher a collaboré à l'abolition de l'esclavage. Avec Victor et celui qu'on a vu là. D'après l'histoire de Victor Schœlcher, je crois qu'il a libéré l'esclave en Guadeloupe. Et je crois quand même qu'il y a des hommes qu'on a mis à l'honneur aujourd'hui. Et je crois quand même M. Henri Bangou, qui en 1965, il y avait des sourds, il y avait tout ça qui ont perpétué cet anniversaire de Victor Schœlcher. Aujourd'hui, que tous les Guadeloupéens, tout le monde prend Victor Schœlcher à balcon. Je crois quand même que c'est une bonne chose que pour Pointe-à-Pitre et pour la jeunesse guadeloupéenne connaît l'histoire de la Guadeloupe et de Pointe-à-Pitre. C'est Victor Schœlcher. Non, mais c'est une blague. Non. Non, non. On fait un micro tout le temps sur Victor Schœlcher. Non, non, madame, je ne sais pas. Non. Victor Schœlcher, c'est notre père à tous. C'est lui qui a implanté l'humanisme en Guadeloupe. Et à ce titre, nous le commémorons de manière à ce que les générations actuelles et celles qui viennent se souviennent que l'humanisme a été planté à la rue Peignet et que nous devons continuer à lui apporter de l'arrosage pour qu'il continue à fleurir. Voilà, c'est cette dimension-là que je veux retenir. Il nous invite à nous... Et ce matin était posée la première pierre de l'extension du musée Schœlcher à Pointe-à-Pitre. Il s'agit d'un projet qui prévoit l'annexe de 800 mètres carrés et le réaménagement des salles d'exposition. Un musée donc plus grand qui permettra aux visiteurs d'en apprendre davantage sur la vie de l'illustre abolitionniste. Reportage Linda Kayarsi. Voici à quoi ressemblera d'ici 2 ans l'extension du musée Schœlcher. C'est au total des espaces 3 fois plus grands que ceux de l'ancienne structure qui seront désormais accessibles à tous les publics. Première pierre d'une extension qui va permettre à ce musée de trouver son émancipation, puisqu'aujourd'hui ce musée était devenu trop petit pour les activités qu'il ambitionnait de mener. Des expositions temporaires, des activités pour les scolaires, pour toute la population, et bien c'est cette extension de près de 800 mètres carrés qui va donc permettre de réaliser l'ensemble de ce programme ambitieux. La création d'une extension connectée au musée Schœlcher par son arrière-cour a pour ambition de rendre au bâtiment historique sa vocation première de lieu d'exposition. La vie de Schœlcher sera utilisée comme fil rouge afin de présenter la diversité de la collection.
Il y aura un espace pour les expositions temporaires, un espace dédié aux ateliers pédagogiques, puisque l'un des fondamentaux du travail du musée Schœlcher, c'est de travailler avec les scolaires, d'éduquer les scolaires à ce regard sur l'art dans toutes ses dynamiques possibles. C'est un lieu où on pourra entendre des conférences aussi. C'est un lieu plus techniquement qui va permettre aussi de mieux gérer la conservation des collections et leur restauration. Voilà, donc tous ces espaces aujourd'hui qui sont indispensables au bon fonctionnement d'un musée vont être créés par cette extension. Un musée plus grand pour un coût total de 3 millions d'euros, financé par le conseil départemental et dont 30% est pris en charge par l'État et le ministère de la Culture. La démocratisation de l'accès à la culture n'a pas de prix. On parle, c'est vrai, du social pour, comme mission essentielle du conseil départemental, mais nous avons une autre mission, celle d'emmener les Guadeloupéens à s'ancrer dans leur culture. Nous en parlons, mais je crois que là aussi c'est une réalité. L'histoire, la culture, le vécu du Guadeloupéen, mais nous les trouvons dans les musées et nous avons la chance. Nous, parce que en tant que présidente du conseil départemental, j'incite les Guadeloupéens à connaître leur patrimoine. Depuis 2008, le musée Schœlcher s'est engagé dans ce vaste projet d'extension et de redéfinition muséographique, destiné à faire de cette institution une entité culturelle majeure et unique en son genre en Guadeloupe. Et plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève aujourd'hui. Ils prévoient une grande mobilisation demain. Plusieurs secteurs d'activité devraient être touchés. À quoi faut-il s'attendre? Le point sur cette mobilisation avec Mario Varro, le porte-parole du syndicat du personnel communal SCP La Pointe. Il est interrogé par Karen Diamant. C'est un contexte social des plus tendus qui a poussé 8 organisations syndicales à monter au créneau. Le constat, il est ce qu'il est. Hein. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous voyons dans chaque secteur d'activité qu'effectivement qu'il faut se mobiliser, il faut se mettre debout pour revendiquer ses droits, ses acquis. Et d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le tour du Crédit Agricole où justement on veut toucher aux acquis, aux 40% des agents, hein, des employés qui travaillent dans ce secteur d'activité. Comment au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, qu'on peut faire durer une grève plus de 8 mois, tout en sachant que ces deux agents qui travaillent au niveau de ce secteur ont totalement raison et de voir que bon, on prend même pas le temps de l'écouter et aussi de mettre des dispositifs en place justement pour permettre de régler ce genre de conflit. Et de voir qu'aussi au niveau de Capacité Urbello, c'est quand même dommage aussi de voir que ça fait plus de 2 mois que ces agents-là sont mobilisés et que pourquoi encore, c'est pour le respect du droit de la fonction publique territoriale et aussi le respect des statuts de la fonction publique territoriale. Des situations similaires qui auront poussé l'ensemble des syndicats et leurs sympathisants à se mobiliser massivement dès demain. Cette mobilisation permettra justement de ressouder les liens, de ressouder aussi les syndicats et c'est un moyen aussi de montrer à tous ceux et celles qui mènent ce pays que les travailleurs se mettront toujours debout justement pour permettre qu'on puisse les respecter, qu'on arrête d'avoir ce genre de mépris envers les travailleurs et aussi qu'on puisse prendre en considération un petit peu la souffrance des mères et des pères de famille qui travaillent au niveau de ce pays. C'est quand même dommage de voir qu'au jour d'aujourd'hui, dans chaque secteur d'activité, qu'on est obligé de se mettre debout, qu'on est obligé de se mobiliser pour faire respecter le droit et aussi les acquis au niveau de chaque secteur d'activité. Une généralisation des conflits sociaux qui pourrait prendre une toute autre tournure. Tout mène à aller vers un 2009 parce que bon, il faut bien comprendre que les gens ont ras-le-bol et qui n'en peuvent plus et qu'il faut montrer la détermination de chaque personne dans chaque secteur d'activité pour arriver à justement pour l'avenir de nos enfants qui sont derrière. Donc c'est très important de se mobiliser. Dès demain matin, 8h, 8 organisations syndicales mutualiseront leurs moyens pour tenter de sortir les salariés de cette crise générale. Et parmi ces grévistes, des pères et des mères de famille, certains sont en grève depuis des mois. À quoi ressemble leur quotidien? Karen Diamant et Moïse Dexter ont rencontré quelques-uns qui ont accepté de se confier devant nos caméras. En grève depuis maintenant 8 mois et 18 jours,
Jean-Marc est un agent IDEX, mais surtout un père de famille qui doit composer entre obligations syndicales et familiales. Étant donné que le conflit quand même dure depuis un certain temps, on a été amené à expliquer un peu la situation, et aussi bien avec mon épouse qu'avec les enfants. On fait un point régulièrement, j'essaie de les tenir informés un peu de la situation, et ils comprennent bien que bon, si on est là, c'est pas spécialement agréable, mais c'est pour atteindre un objectif qui est de se faire respecter en tant que salarié, quoi, simplement. Une situation que sa femme et ses deux filles, âgées de 16 et 11 ans, ont su accepter. Elles comprennent bien parce que bon, elles sont déjà, on va dire, sensibilisées, on va dire, à la chose, à l'engagement syndical, même à l'engagement professionnel et à l'engagement syndical. Donc elles comprennent et y a pas de, elles vivent pas ça mal du tout. Elles vivent pas ça mal et ça, donc ça ne joue pas sur les relations familiales, si on peut dire ça comme ça, quoi. Depuis le début de leur mobilisation, Jean-Marc et Sylvain, son collègue, ont toujours pu compter sur le soutien de leurs camarades. Là, on a des visites régulières d'autres camarades. Là, nous c'est, on a notre problème au niveau de la Fédération de l'énergie. Bon, là, il y a les camarades de Crédit Agricole qui eux-mêmes ont leurs propres soucis. En fait, des problèmes qui se rejoignent aussi, hein, parce qu'on voit que c'est des attaques sur les salaires, sur les niveaux de vie. Bon, ils viennent nous soutenir, ils comprennent notre combat, ils viennent nous soutenir. Bon, eux, ça fait déjà pratiquement un mois qu'ils sont là, ça va faire trois semaines. Trois semaines durant lesquelles Gladys, maman d'un fils de 11 ans, a dû elle aussi composer entre vie syndicale et vie familiale. Les enfants, effectivement, en ce moment, sont en vacances. Donc, pour ceux qui ne sont pas les CLSH, ils viennent un moment sur le piquet de grève avec nous. C'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir de l'espace. Il ne faut rien cacher aux enfants. Parce que les enfants sentent nos angoisses. Et si on ne leur explique pas, ils les accumulent. Et ça, c'est indéniable. Mais c'est vrai qu'après, le soir, il nous faut partir, il nous faut rentrer, nous occuper des familles. Mais s'il y a une chose qui est indéniable, c'est que depuis le 27 juin, personne ne dort. Personne ne dort, que ce soit homme ou femme. Personne ne dort parce que c'est la première fois qu'on vit un conflit aussi dur. Les conflits, c'est 2-3 jours. Ça fait 4 semaines. Donc, côté familial, eh bien, chaque personne s'organise. Il y a les mamans qui montent, les mamies qui montent au créneau, les tatis, ben, les collègues entre elles. Celle-là, ben, ce soir, elle peut s'occuper des enfants, elle récupère l'enfant de celui-là. Mais c'est vraiment la vie de famille qui est revenue au Crédit Agricole. Qu'elle dure 3 semaines, 2 mois ou même 8 mois, la mobilisation des salariés ne semble pas impacter leur vie de famille. Bien au contraire, elle resserre les liens. Et en Guyane, une grande mobilisation était organisée aujourd'hui dans les rues de Cayenne contre la violence. Un millier de manifestants a répondu à l'appel, réclamant une rencontre avec le préfet. Le reportage d'Ayodele Germa, d'ATV Guyane. Plusieurs centaines de manifestants entament la marche au départ du stade de Baduel. Pour beaucoup, il s'agit de la marche du ras-le-bol. C'est pour une bonne cause, les manifestants. C'est pour les braqueurs, les voleurs. Parce qu'on a ras-le-bol, on a ras-le-bol, on a ras-le-bol de ce qui se passe en Guyane. Ils ont tué des gens comme, je dirais même pas des cochons en bois, parce que maintenant on n'a pas le droit de tuer des animaux comme on veut. Donc c'est dommage, mais bon, il faut qu'on manifeste. Je suis moins protégée qu'Ariane. Tous contre l'insécurité ou bien encore non aux voleurs. Des cris de ralliement qui résonnent dans les rues de Cayenne, 5 jours après le meurtre de Maurice Chentenyou, un commerçant cayennais. Braqué à son domicile le 16 juillet dernier, il décède au char des suites d'une blessure au thorax causée par une arme à feu. Cette proche du commerçant est encore sous le choc. C'est mon frère là. C'est Maurice Chentenyou, c'est mon frère. Oui, je ne peux pas parler. 11h, avenue du Général de Gaulle. Les slogans vont crescendo autant que le mercure, mais les manifestants n'en démordent pas et sont rejoints par des dizaines d'autres en cours de route. À Cayenne, on dénombre 9 braquages de commerce depuis le début de l'année. Certains parlent de se faire justice soi-même face à une justice qui tarde à donner les effets escomptés. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestants qui voulaient venir armés avec des sabres, des pelles pour montrer qu'on en a marre. Les gens n'ont pas le droit de tirer. S'ils tirent, on leur dira, le monsieur, il avait un bâton à la main, vous avez pris un revolver, donc il n'y a pas arme égale. Alors tout ça, c'est de l'idiotie. En Guyane, 40% des jeunes de moins de 25 ans sont touchés par le chômage. Pour ce conseiller territorial, le manque d'emploi est une des causes de la délinquance. Ben déjà, un manque de travail pour les jeunes, déjà. Et puis je pense qu'il faut quand même donner un maximum de moyens aux forces de l'ordre, dans le commissariat de police, qui est toujours dans l'attente.
la construction d'un nouveau commissariat. Une requête que la délégation des professionnels ont transmise au préfet à l'issue de la marche. 30 millions d'euros ont été annoncés pour le nouveau commissariat qui devrait sortir de terre en 2020. Mais pour la CGPME, c'est bien trop tard. En attendant, on fait quoi? Bon, rendez-vous a été acté pour la fin du mois d'août, puisque rappelez-vous, dans notre motion, nous exigeons des éléments de réponse au mois de septembre, parce que sinon, à mon avis, la population s'exaspérera encore beaucoup, beaucoup plus. Et donc, pour nous, il y a une insatisfaction totale et complète, parce que nous ne ressentons pas la réponse réelle d'effectivité dans ce que nous attendons par rapport aux problématiques que nous vivons sur ce territoire. Selon les estimations des forces de l'ordre, ils étaient près d'un millier à manifester aujourd'hui. La majorité des commerces du centre-ville cayennais ont gardé leurs portes closes en signe de solidarité. Et il a fait un carton plein au Casino de Paris et au Zénith. L'humoriste martiniquais Jean-Yves Rupert sera en spectacle ce samedi 23 juillet au Hall des Sports Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre. Jean-Yves Rupert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu surtout. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver. À quoi doivent s'attendre les Guadeloupéens ce samedi? Eh bien, à quoi non pas un striptease, mais à moi, voilà, 30 ans de carrière. Plus déjanté que jamais, c'est-à-dire que c'est une fin de tournée, pas vraiment, puisque j'ai quelques dates à l'extérieur, mais sur la Caraïbe, sur les Antilles, ouais, je termine ma tournée à Paul Chonchon. Jean-Yves Rupert, le Casino de Paris, le Zénith à guichet fermé, c'est un véritable succès. Oui. Est-ce que vous vous y attendiez? Non, pas spécialement, c'est-à-dire que, vous savez, ça fait déjà un moment que je fais ça. 30 ans? Et puis, oui, oui, ça fait 30 ans, même plus. Mais je veux dire, 30 ans où je vis de ça vraiment, professionnellement. Et comme on dit, s'attaquer à Bercy, c'était vraiment un truc très lourd parce que quand même, on a eu 17 000 personnes. On ne s'attendait pas à ça. Et on était en plein Vigipirate sur Paris. Et qui n'empêche, le public est venu quand même. On a eu du monde. Quel est votre secret pour faire rire les gens? Le secret n'est pas si difficile que ça. Hein. C'est surtout interpréter le secret. Mais il n'y a pas de secret, en fait, c'est la vie, c'est tout ce que nous vivons, tout ce qui nous énerve, ça peut être aussi le cas en ce moment où on vous parle les bavures judiciaires sur les États-Unis. Mm-hmm. Ça se fait aussi ici aussi, hein, entre nous-mêmes, c'est-à-dire que, bon, c'est pas la même technique, mais bon, vous prenez ça, vous mettez ça dans un style de sourire, vous allez à la poste, vous allez... payer l'eau, la lumière, l'électricité, tout ce que vous voulez, vous voyez quelqu'un, il y a toujours un personnage, il y a toujours quelqu'un, oui quand même, même dans nos familles. Et qu'est-ce que je vous inspire à l'instant? Ah non, vous non, là non, je ne ferai pas quand même un dessin animé avec vous quand même. Je vais laisser ça à d'autres, pas à vous quand même. Hein. Jean-Yves Rupert, on regarde un court extrait. Vous m'inspirez pas. Ça va. Que, bon, ok, on passe à autre chose. Hein. On regarde un court extrait ensemble, de Bankoulélé. Oui, pourquoi pas. Un peu c'était moi, cette midi vedru. Nestine Best... Pardon? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit, le con? Répète. Articule quand tu pètes, j'entends pas. Non, répète, tu... Hein? J'entends pas ce que tu dis, c'est couillon, hein? Par contre, je vois beaucoup tes dents. Mais je ne t'entends pas. Où est-ce que tu utilises quoi bosser dents, quand même, hein? C'est bien. Quoi font collection de dents? Toutes dents, y'aura chaud, y'aura les super glu, on y bon dents, hein? Eh bien, je parle lundi aux Antilles. Pourquoi ils présentent moi un raïdant qui est un gel ou abonne, faut pas cabrit, bah, comme adma, hein? Parce que nous, là, avant, pas cabrit, il nous manque du fil. Là, y'aura pas des mâchoires dents à déposer là, pourquoi mettre 44 bœufs? Jean-Yves Rupert, en général, les comiques se servent du rire pour transmettre des messages. Quels sont les vôtres? Moi, je parle de tout. Je parle, comme on dit, de tout ce qui nous énerve. Je parle de tout ce que les politiciens nous font croire depuis des années. Et puis rien, on n'a pas de retombées sur ça. Je parle aussi de l'éducation nationale. Je parle des études. Je parle de maintenant, vous savez, même le rire est devenu agressif, quoi. Vous voyez, c'est plus le même style. Je vois même que... Dans le nouveau style, les gens se moquent même de quelqu'un qui tombe, c'est bizarre, tout change. Alors moi, j'utilise un peu de tout et je parle de tout.
Peut-on rire de tout ? Non, si on veut, ça dépend des gens. Mais moi, je ne me permets pas de rire de tout quand même. Quelles sont vos limites ? Mes limites, eh bien, c'est comme je suis un chrétien, alors déjà je ne parle pas et je ne touche pas à ce que je ne comprends pas et ce que je ne sais pas ou ce que je crois plus puissant que moi. Non, on ne rit pas avec ça. Jean-Yves Rupert, vous ne lassez pas, hein, votre tournée se poursuivra encore jusqu'à la fin de l'année. Vous envisagez même de faire une prestation au Canada ? Oui, le Canada m'a contacté, la Nouvelle-Calédonie, et j'ai un spectacle à New York en octobre. Et bon, voilà, c'est-à-dire j'ai fait pas mal de spectacles à Sainte-Lucie depuis quelques années. Et les Sainte-Luciens m'ont appelé pour partir avec eux. Bon, c'est-à-dire que sur les médias, même les réseaux sociaux, on voit un peu tout ce que je fais. Alors ça me permet aussi de prendre l'avion encore un peu plus. On vous voit sur scène, vous êtes à l'aise, vous faites rire les gens. Est-ce que ça vous arrive d'avoir le trac? Mais bien sûr! C'est bien sûr, comment dirais-je, j'ai toujours le trac. Même pour samedi, normal. C'est nouveau lieu, nouveau public, rien n'est acquis, hein, même si vous avez le pouvoir de faire rire. Mais il faut savoir faire rire, il faut persévérer dans ça. Et puis, bon, vous savez, il y a l'homme aussi. Mais ce n'est pas le problème des gens, les gens sont venus pour rire. Alors déjà, le trac, on l'a 24 heures sur 24. Jean-Yves Rupert, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous serez en prestation samedi 23 juillet au hall Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre. Et nous partons en Martinique, chez vous. Les lauréats du BTS Fluide Énergie Domotique de la MEP ont présenté... Ah, je parle du BTS, justement. Ah oui ? Oui, je parle du BTS, qui dit bite ses fesses. Bon, allez, on y va. Ils ont présenté en tout cas un projet pour aider les communes à réduire leur consommation d'énergie. On regarde ce que ça donne. Un détecteur de mouvement pour la lumière, des climatiseurs basse consommation ou encore des portes automatiques pour conserver la fraîcheur. À la mairie de Ducos, chaque détail a été repensé pour économiser l'énergie, jusqu'à la couleur des murs. La meilleure couleur, ce serait le blanc, parce que c'est une couleur qui permet de réfléchir un maximum les rayons du soleil, donc qui limite l'entrée de la chaleur dans le bâtiment. Le Diamant, Trinité, Ducos, dans ces communes, les mairies ont fait l'objet d'un diagnostic pour cibler les déperditions d'énergie. Un audit réalisé par les 23 étudiants du BTS Fluide Énergie Domotique, changer certains équipements, permettrait de diminuer les dépenses. Nous avons proposé des solutions qui aideraient à améliorer justement les conditions d'utilisation de ce bâtiment. Donc on a pu déterminer que certaines clims consommaient beaucoup trop d'énergie, par exemple. Donc on a préconisé des systèmes qui peuvent pallier justement à cette surconsommation d'énergie. Il y a aussi des points importants comme l'isolation du bâtiment, dont il a fallu mesurer justement les pertes qu'elle génère. Certains travaux visent surtout à sensibiliser le public sur l'importance de la transition énergétique. Les bâtiments communaux, ce sont les premiers bâtiments qui consomment le plus, qui sont les bâtiments les plus énergivores sur les îles. Donc du coup, en commençant par les bâtiments communaux, on fait une certaine sensibilisation pour le domestique. Et je me suis rendu compte grâce à ça que en Martinique, il y avait beaucoup de travail au niveau de la remise aux normes. En sachant que les normes ne sont pas quelque chose de fixe, avec le temps elles évoluent, elles deviennent plus strictes. Ce matin, une dizaine de lauréats du BTS Domotique ont présenté le résultat de leurs travaux devant un jury de professionnels. Une filière initiée par la MEP en collaboration avec le SMEM, qui porte plus que jamais ses fruits. Je reste persuadé que quand ils ont fait ça, ils n'ont même pas imaginé à quel point ils le faisaient au bon moment. Parce qu'aujourd'hui, où les résultats sont là, c'est exactement au moment où il y a toute cette transition sur l'énergie, toute cette réflexion sur cette consommation énergétique, et ça arrive exactement pile poil. Donc ça ne pouvait pas mieux tomber pour permettre à des jeunes Antillais, de jeunes Martiniquais, d'évoluer dans le monde moderne, qui est le monde d'hier. Parce qu'aujourd'hui, le monde moderne, c'est déjà le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de demain. Ces audits serviront ensuite au SMEM afin de moderniser les infrastructures dans les municipalités, pour les amener progressivement à diminuer leur consommation d'énergie. Restez avec nous dans un instant, les premiers entraînements de la Corsair Foot Academy, un projet inédit pour pousser les jeunes Guadeloupéens à rêver d'une carrière professionnelle. Et puis rencontre avec une valeur montante de la musique groove caribéenne, Celia Wa.
Utiliser l'AIOL pour faire des sorties touristiques sous forme de chantier d'insertion, c'est l'initiative lancée par une association martiniquaise nommée FOSS. L'opération a pour ambition de promouvoir le littoral franciscain. Ce matin, un premier test était présenté à la presse et aux élus de la collectivité territoriale de Martinique. Guillaume Bacoul était également sur place. Si les gestes sont encore hésitants, aujourd'hui l'essentiel est ailleurs. Il ne s'agit pas de compétition, mais plutôt d'initiation. À la barre, les jeunes salariés du chantier d'insertion ont deux missions, faire découvrir la pratique de l'AIOL ronde, mais aussi pouvoir faire l'accueil touristique d'un littoral endémique. Pour Yanel, formé depuis 4 mois, l'expérience semble concluante. Très bien passé, les gens étaient satisfaits, on a su transmettre notre savoir comme ils se devaient. Ce n'est pas la première fois, on a déjà eu des lycées, des écoles, on a déjà appris un peu, enfin, on a déjà transmis notre savoir, et aujourd'hui, c'est une manière de pouvoir de confirmer un peu, de nous confirmer nous-mêmes, quoi. C'est vraiment une double valeur, à la fois de découvrir une activité culturelle qu'est l'AIOL et en même temps de pouvoir le proposer à des touristes parce qu'il y a l'activité fait de découverte de la voile que représente l'AIOL et en même temps il y a toute la découverte patrimoniale du François et toute la découverte naturelle autour de l'environnement. Et c'est là tout l'intérêt du chantier d'insertion plaisance traditionnelle, de la promotion des loisirs nautiques à la création d'objets artisanaux en bambou ou en calebasse. Les 13 salariés auront l'occasion de s'insérer au sein du milieu professionnel. Nous avons 13 salariés en insertion sur un projet donc, de chantier d'insertion qui sont là pour 2 ans avec nous. Et puis, ils vont pouvoir développer une activité touristique autour de la baie du François. La personne qui viendra nous visiter pourra pratiquer l'AIOL et pendant qu'elle pratique l'AIOL, avoir les commentaires et visiter. Donc, ça sera à la fois pour elle une activité ludique, une activité sportive. Elle pourra apprendre des choses et elle fera du tourisme en même temps. Après un premier essai jugé concluant, le chantier plaisance traditionnel devrait larguer les amarres début 2017. Ils rêvent de devenir des champions. 250 jeunes Guadeloupéens participent à la Corsair Foot Academy. Plusieurs internationaux ont accepté de partager leur expérience, dont le champion du monde de 98, Christian Carambeu. Isabelle Amo s'est rendue au stade de Petit-Bourg où ont lieu leurs entraînements. On regarde. Faire du foot avec des entraîneurs diplômés sous les yeux de Christian Carambeu est riche d'enseignements pour ces jeunes. Jeux à trois, centre au cordeau et reprise de volée, toutes les techniques sont revues. Ben, on va chercher le jeu devant les buts. Vous savez, donc les enfants sont appelés à jouer court, c'est-à-dire un garçon qui fait l'appel de balle, l'autre qui met dans l'intervalle et les deux attaquants qui apprennent à croiser devant les buts. Oui, c'était pour, si vous voulez, un peu déstabiliser les défenses. Imaginez qu'il y a une défense, donc il y a un joueur qui part au premier, l'autre part au deuxième. Donc ça leur permet de savoir jouer rapidement devant les buts. Et surtout, en plus, l'attaque est rapide, parce que vous voyez qu'il faut un contrôle là, ils mettent tout de suite, et il faut s'y remettre tout de suite devant les buts. Donc on appelle ça, on a travaillé une attaque rapide. Ces jeunes talents régionaux sont venus perfectionner leurs acquis. Avoir le sens de la frappe et être précis pour marquer un but ont été leurs difficultés. À faire les petites passes, les passes... De loin. Est-ce que tu vois que cet entraînement-là, ça t'aide à t'améliorer, à te perfectionner? Oui, oui. En quoi? Ben, ça m'aide dans tout. Ça m'aide à améliorer mon jeu. Ça me permet de, pour les centres en match, à m'améliorer tout ça. Pour les centres en contre-attaque. Et ça aide dans tout, quoi. Depuis le début du stage, une évolution a été remarquée par l'ancien champion du monde. Son rôle ici a été de conseiller les entraîneurs sur les thématiques. Par exemple, aujourd'hui, c'est plutôt la maîtrise du ballon, la maîtrise de l'espace, la maîtrise du corps, pour mieux justement approcher soit un match ou carrément un exercice. Donc évidemment, c'est tout dans la continuité des thématiques qu'on a abordées du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, hier, c'était plutôt les jeux de tête, sans dénigrer, bien sûr, les échauffements où on peut justement enrichir avec d'autres exercices à l'intérieur pour justement la passe, le contrôle, etc. aujourd'hui. Ce camp de perfectionnement n'est que le premier d'une longue série à venir. Elle est considérée comme un monument du patrimoine musical et culturel guadeloupéen. Martine Sylvestre sera demain soir à la salle Robert Loison du Moule pour un concert. Mais avant cela, elle est de passage chez nous pour nous présenter son dernier album, Origine. Martine Sylvestre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Origine, de quoi parle cet album ? Cet album, en fait, est le fruit de mon parcours, des différentes rencontres musicales, artistiques que j'ai eu à faire
Et puis, des courants musicaux différents, des artistes avec leurs couleurs. Et nous avons échangé ces couleurs, les miennes, les leurs. Et ça donne aujourd'hui cet album qui est vraiment le fruit de tout ce que je connais, tout ce que je suis et qui est l'artiste que je suis actuellement. On retrouve souvent ce thème de l'identité. D'ailleurs, vous êtes assez engagé, hein, vous militez pour la promotion de la production locale. On regarde d'ailleurs tout de suite un extrait de Pois Jadin. Vous êtes venu avec des pois d'ailleurs sur le plateau. Oui, parce que c'est important justement de se saisir de cette problématique. D'autant que cette année 2016, c'est l'année des légumineuses, hein, décrétée par l'ONU. Donc voilà, j'ai porté des pois symboliquement pour vous et pour les autres membres de l'équipe, parce qu'il faut nous planter pois et il faut nous manger pois, parce que pour une bonne santé, c'est important. Et bien, on nous garde des messages là. Merci. Martine Sylvestre, vous êtes généreuse à l'image de votre musique. Vous avez presque tout fait, du zouk, de la biguine, du gros cas. Que vous manque-t-il ? Ben, je continue parce qu'il y a tellement de musique encore à explorer, il y a tellement de chants, tout est possible encore. Voilà. La musique, elle est belle, elle est grande, il faut la laisser vivre, il faut la partager. Et c'est ce que je m'emploie à faire depuis quelques années parce que j'ai l'amour de cette musique et j'ai l'amour de la musique tout simplement. Quels sont les thèmes qui vous tiennent à cœur en général dans votre... En général, c'est l'amour, c'est mon fil rouge. Alors là, l'amour, que ce soit entre deux êtres qui s'aiment, un homme, une femme, mais l'amour familial, l'amour avec un grand A, tout simplement. Et puis la famille, les valeurs familiales sont importantes, surtout... Actuellement, nous vivons des moments difficiles. On a besoin de se retrouver en famille. On a besoin que les enfants aient des repères. Donc, je prône l'amour familial, notamment. Sur scène, on le voit, vous êtes en symbiose avec vos musiciens, que vous appelez votre famille. À quoi pense Martine Sylvestre lorsqu'elle est sur scène avec son public ? À partager, à offrir. Ce talent m'a été confié. C'est pas pour que je le garde, c'est pour justement que je puisse le partager avec les autres, avec vous, avec le public. Donc les musiciens, c'est ma famille, ma petite famille, mais ma grande famille, c'est le public qui est en face de moi et qui est là depuis des années, qui me suit, qui partage et qui vit mon univers avec moi. Demain soir, vous serez avec vos musiciens, mais également d'autres artistes. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire plus ? Oui, j'ai des invités parce que, justement, je suis toujours sous le signe du partage. Alors, tant beau pays que j'ai eu à partager avec les frères Geoffroy et Jomimi, ensuite Origine, Mouvement Guil Tirel Voukoum sur le titre « Enfants ». Et puis, il y aura aussi Rodrigue Marcel, il y a aussi Yannick Noël, qui était là déjà depuis le prix Biguine 2003 Invitation. Pascal Latour aussi était de cette aventure. Et puis tous les autres musiciens qui sont là, ceux qui m'accompagnent, j'aime bien les citer par cette petite famille, cette grande famille en fait musicale qui m'accompagne. Donc Gary Clérance, Henri Digouin, Géna Legros, Christophe Garin et Charlie Bonalaire. C'est mon équipe de choc, ce sont mes magis musiciens. Et ils sont fidèles et je suis fidèle aussi à ce qu'ils me proposent et que nous vivons ensemble. Martine Sylvestre, vous étiez autrefois enseignante. Est-ce que c'est pour vous, c'est finalement, c'est
c'est une autre carrière, la musique? Je suis toujours dans l'enseignement. Hein. Je n'ai pas changé, même si je n'ai pas d'élèves. Alors, je fais un coucou à tous les élèves qui me reconnaissent, qui me voient depuis des années. Voilà. Antérieurement, infirmière. Et ces deux casquettes me permettent, bon voilà, mais quand je m'empare de cette problématique du manger local, du manger caribéen, docteur Henri Joseph qui est un militant depuis tantôt. Mais qui était aussi également dans le clip. Absolument, voilà, il a participé, pour moi c'est un grand honneur. Ainsi que Camille Laïs Clotaire qui est un exploitant agricole du côté de Baïf. Tout le monde agricole, mais voilà, c'est une façon pour moi de leur rendre hommage, de les remercier de tout ce qu'ils font pour nous, de tous ces produits locaux qu'ils nous offrent. Alors, justement, mangeons local, emparons-nous de ces valeurs que nous avons, de cette richesse, de cette biodiversité, et manger, alors en tout cas planter pois. Donc Barbara, mi pois pour tout le monde qui est ici dans la TV, donc planter pois et récolter pois. Et puis manger pois et qu'on s'invente qu'est dans ces quadrilles. Merci Martine Sylvestre pour intervention à Osuela. Est-ce que vous connaissez Célia Wa? Ah, non, je vais la découvrir. Pas. Elle est flûtiste et auteure-compositeur guadeloupéenne. Elle est de passage chez elle. Elle livre des mélodies aux sonorités diverses alliant jazz, groove et hip-hop. Isabelle Amo l'a rencontrée avant sa prestation à Sainte-Anne. On regarde. Bonjour, je m'appelle Célia Wa. Je suis chanteuse, flûtiste, musicienne en fait. Et voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir ici à Valette. À Valette, ici. On est chez la famille Troupé. Moi, c'est ici que j'ai commencé la musique, à l'atelier Marcel Lolia, juste là. Et c'est vraiment ici que tout a commencé pour moi. J'ai commencé par le tambour, le groka, les sept rythmes. Et ensuite, j'ai choisi la flûte traversière. Et j'ai commencé, j'avais peut-être 10 ans, à peu près. Et j'ai continué jusqu'à mes 17 ans. Depuis, la flûtiste et chanteuse guadeloupéenne a conquis les scènes parisiennes telles que le Baiser Salé ou encore l'Olympia. Célia Wa est aussi auteur-compositeur, un talent qu'elle a démontré à son public avec son premier hippie sorti il y a 3 ans. Demain, c'est sur la scène du Couleur Créole qu'elle dévoilera ses nouvelles mélodies. Je suis très comme ça, j'ai besoin de tester en live, jouer les morceaux vraiment quand c'est des nouvelles compositions, voir ce que ça donne, voir comment le public réagit. Même nous aussi, en tant que musiciens, ça nous permet de trouver la bonne énergie parce qu'en fait, je prépare un nouvel album. Enfin, un premier album, en vérité, puisque le projet que j'ai sorti il y a 3 ans maintenant, c'était un EP, donc il y avait 5 titres. Un style qu'elle définit comme du groove caribéen. Parce que le groove, en fait, c'est... Ça groove, en fait. Ça peut être diverses influences qui se mélangent, mais qui groove. Donc voilà, après si on veut rentrer plus dans les détails vraiment, je dirais qu'il y a du jazz, il y a du hip-hop, il y a du vocal, il y a du reggae, ça donne du groove, voilà. Célia Wa sortira son premier album prochainement, dans lequel elle réserve de belles collaborations. Après la Guadeloupe, l'artiste se produira sur une scène de la Martinique le 6 août prochain. Et c'est sur cette note que nous passons aux informations pratiques, à vos stylos maintenant. Il y aura des perturbations au niveau de la distribution de l'eau à Goyave, notamment dans le secteur de Barthélémy, en raison de la pose d'un poteau incendie. Demain, à partir de 7h, le retour à la normale est prévu le même jour, en fin d'après-midi. Et puis, si vous voulez donner votre sang, la collecte mobile sera demain au Super U Saint-Jules à Pointe-à-Pitre, de 18h30 à... de 13h à 18h30. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.